Et salut à tous, ravi de vous retrouver pour la seconde manche du DTM au Lausitzring dans l'est de l'Allemagne sur un tracé semblable à celui presque d'Indianapolis. C'est vrai sur un ovale, hein, l'un des rares ovales européens sur l'Eurospeedway, avec un tracé très compliqué qui m'a posé énormément de problèmes avec l'Audi. L'IA étant redoutable en plus ce week-end, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'imposer et à avoir un rythme de course, et ça a été vraiment très très compliqué sur un tracé donc, que vous voyez assez ressemblant à celui d'Indianapolis finalement, avec donc un gros freinage, vous l'avez vu au début du tour, au 100 mètres, avec des enchaînements de courbes comme celle-ci, ce grand droit qui a aussi m'a posé beaucoup de problèmes, et je suis passé vraiment étrangement lentement par rapport à l'IA, et je sais pas comment ils ont réussi à passer plus vite, parce que si tout simplement j'accélérais plus fort, je partais en tête à queue avec un freinage ici au panneau des 100 mètres. On plonge à la corde à gauche sur un virage qui n'en finit plus également, avant de repartir sur le dernier secteur du tracé avec cette grande courbe à droite et un freinage au panneau des 50 mètres sur un serré à droite en seconde, la voiture qui a tendance à énormément se dérober, et puis là, sans envoyer les gaz à fond, on va revenir sur l'ovale et venir chercher au bord du mur la meilleure trajectoire, sachant qu'il y en a plusieurs à ce moment-là, et puis donc en finir avec un tour finalement très court, hein, pour du DTM en 1:22.945 pour ma part, et Pascal Verlaine en 1:21.821, à une seconde sans du meilleur chrono quand même, hein, très loin. Et donc du coup, Mortara deuxième sur l'Audisport Team ABT, Whitman troisième, Green quatrième sur l'Audisport Team Rosberg, Félix D'Acosta cette magnifique livrée de la M4 en Red Bull, Paul Di Resta qui est sixième sur la Mercedes, Timo Glock, Farfus sur la BMW, Paffett, Rockenfeller qui partira 10e, je partirai 11e, c'est pas si mal. Wickens, 12e, juste derrière moi. Spengler et Martin, de BMW en 13e et 14e place. Vietoris, Ekström, avec la très belle livrée Red Bull aussi. Giuncadella, avec la livrée de la Mercedes d'ailleurs, de la Mercedes AMG de F1, avec la livrée Cintium. Molina Tamsik en 20e position, 21e, 22e, Götze et 24e, Müller précédé par Scheider. Donc vous le savez, les départs qui sont relativement très compliqués, hein, sur Race Room, parce que si je mets la première, la voiture elle avance, comme dans la réalité, il va falloir enclencher la première au meilleur moment. Et j'arrive à prendre un super départ. Et j'arrive à m'infiltrer de suite dans le peloton. Et bien que le départ que j'ai réussi dans cette course, parce que tout le reste, vous allez le voir, c'est un peu la cata, avec pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est un rythme de course tellement élevé de l'IA que j'ai passé la plupart du temps, et vous le voyez derrière de suite à la vitesse où ça revient, c'est absolument hallucinant. J'ai passé mon temps à essayer d'imprimer un rythme de course inexistant, et du coup ça a été vraiment une course très compliquée, une vraie purge pour moi, qui a amené au dénouement final que vous allez voir. Sur un tracé, il est vrai, relativement compliqué, où on sait, il y a eu des accidents absolument terribles ici, avec notamment celui d'Alessandro Zanardi, ex-pilote F1, qui s'est fait couper les deux jambes ici, amputé carrément, en kart, en champ de kart à l'époque, sur un tracé bien entendu ovale, et non pas celui-ci, vous le voyez derrière, hein, avec insistance, hein, l'IA qui essaye de me dépasser, je fais déjà le bouchon, et c'est une course qui va être très longue pour ma part, même si le contenu n'a toujours pas changé, 15 minutes, et vous le voyez de suite, hein, le pilotage très sensible. Donc je vais vous laisser avec cette course, je vais vous la laisser la terminer sans moi. Moi je vous dis à dimanche pour la suite sur F1 2015, à Monza, sur l'autodrome italien, pour une victoire, espérons, de Ferrari, hein. Il n'y a pas d'autre choix que de gagner en Italie pour la Scuderia. Donc on se retrouve dimanche, et je vous laisse avec le DTM. Allez, salut à tous.